Vous rentrez dans un monde. Qui parle d'une vérité. Oh, on a vu, c'est introverti. C'est bémol. Parce que le mi bémol est le passé du do. Non? Donc, mi bémol est en trecutul lui do. Ça, c'est juste. Asta e. Et ça, c'est faux. Asta e greșit. Alors, la grande peur de tous les élèves de Chibi. Deci, marea teamă a tuturor elevilor de Celibidache. Et pendant 10 ans à l'université, j'en ai vu des centaines et des centaines. Și timp de 10 ani am văzut sute și sute. Et certains ont arrêté définitivement de faire de la musique. Hein, j'ai dit. Unii au încetat să facă muzică. Peut-être parce qu'il manquait dans la transcendance de Celibidache, et que Dieu me pardonne de dire ça. Pentru că probabil, să o iert în muzică, că vă spune acest lucru, în transcendența lui Celibidache, l'amour. Lipsea l'amour. Adevărata iubire. Mais ça c'est un autre débat philosophique, théologique, qu'on pourra avoir un autre jour, puisque la transcendance de Celibidache était bouddhiste. Pentru că transcendența lui Celibidache era bouddhiste. Bon. C'est un autre discours. E un alt discurs. Alors, Chibida qui disait les lois de la phénoménologie et ses principes, je vous en ai donné deux, mais on a une pédagogie de 1000 pages. V-a dat déjà deux principes, dar există foarte multe. Pédagogia dezvoltată de doamna Elisabeth are mai bine de 1000 de pages. C'est que la compréhension de la relation juste des phénomènes sonores. Această înțelegere a relațiilor juste. Donc la logique sensible des relations sonores en relation avec notre conscience. Logica acestor relații sonore în corespondență cu lumea noastră interioară, notre conscience, cu conștiința noastră, ordonne notre monde affectif. Ordonne lumea noastră afectivă. Et moi je me rappelle que un des tout premiers cours avec Chibidache, eu mi-aduc aminte că il m'avait demandé de jouer. Il m'avait demandé de jouer le nocturne, il aimait beaucoup le nocturne de Chopin en ré bémol, non? Il a cerut să cânte nocturna ré bémol, de care am auzit-o și ieri, la forță. Et moi, je me rappelle, j'ai joué comme ça. Și aduce aminte că i-ai cântat așa. Parce que j'étais dans la fausse humilité, non? Pentru că a fost în falsă umilitate. Parce que quand on fait quelque chose de faux, ça veut dire qu'on veut séduire, on veut montrer quelque chose de nous. Pentru că atunci când vrem să facem ceva frumos, înseamnă că vrem să arătăm ceva fals, ceva care e în noi. M-a dit, mais les sons ne sont pas ici pour montrer ta névrose. Sunetele nu sunt aici ca să ne arate névroza ta. J'ai dit, alors il faut jouer comment? Atunci cum trebuie să cânt? Fa, mi, re, fa, la, re, fa, si, punto culminante, la, mi, fa, do, re, la. Joue. Cântă. Stop! J'ai fait le point culminant. Am făcut punct culminant. Oui, mais il faut pas faire. Da, dar nu trebuie să faci. Il faut que ça fasse. Trebuie să se facă. Aujourd'hui j'ai 54 ans. Astăzi are 54 de ani. I-a trebuit 30. 30 ans de chemin de vie. De drum în viață. Alors, cette peur, această frică de la phénoménologie, c'était de dire. A fenomenologie era faptul. Bon, alors s'il y a un phrasé, tout le monde joue pareil. Vă spune că dacă există o singură
cântare posibilă, toată lumea va cânta la fel. Et là, intervient une valeur intérieure qui change le regard care schimbă privirea du monde de la musique. Asupra lumii muzicii. Un, on ne peut plus comparer. Unu, nu putem compara. Parce que déjà, on ne peut pas se comparer avec nous-mêmes, parce que dans 10 minutes, j'ai 10 minutes de plus. Pentru că nu ne putem compara nici cu noi înșine. Peste 10 minute vom avea 10 minute în plus. Les paramètres sont différents, l'acoustique est différente, la chaleur est différente, donc je ne joue pas la même chose. Nu voi cânta același lucru. Et c'est pas parce que j'ai réussi le phrasé une fois que je vais le réussir bien la prochaine fois. Și pentru nu înseamnă că dacă am reușit frazarea o dată, voi reuși și a doua. C'est à vivre chaque fois avec l'âme nouvelle. Trebuie trăită de fiecare dată cu un suflet renoit. Donc je ne vais pas comparer un enfant à un autre. Deci nu va compara un copil cu un altul. Parce qu'à partir du moment où on compare un avec un autre, on tue un des deux. Pentru că în momentul în care vom compara doi copii, unul din ei moare. Au nom de la musique, ce n'est pas justifié. Iar în numele muzicii acest lucru nu se poate justifica. Donc la question c'est on va jouer tous pareil? Non, puisque déjà moi-même quand je vais jouer la sonate funèbre demain ou après-demain, même si la base est là, je ne vais pas changer le point culminant, je ne vais pas changer le... Il y a une base structurée. La qualité d'âme, l'épaisseur de l'écoute, la liberté, et donc la liberté, c'est l'obéissance. Libertatea înseamnă faptul de a te supune. Și atunci nu va cânta niciodată la fel, astăzi sau mâine, nu va cânta la fel această sonată funebră. Bineînțeles că în mare, aceeași structură, punctul culminant va fi mereu în același loc. Dar calitatea sufletului, în momentul în care o va face, va fi diferită. Și atunci lucrarea nu va mai fi aceeași. Et donc cette expérience d'être à l'obéissant, dans l'obéissance des lois qui régissent les sons dans la phénoménologie. Această experiență a faptului de a se supune acestor legi care există, fait que quand Dragoș va faire à la place de qui est n'importe quoi, quand il va entendre, parce qu'il y a une vérité, que c'est comme ça, il s'en fiche si Svetlana va jouer pareil. Il est content si Svetlana va avoir le même cadre juste dans lequel elle va exprimer. Parce que même si je fais venir Dragoș de jouer ça, bien phrasé, ça ne sonnera pas comme moi. Donc cette peur n'est pas justifiée. Acel interpret de lângă va face același lucru. Și oricum, peur n'est pas justifiée. Această frică nu va fi... Nu, mais elle est normale. Elle fait dar partie e normală. De l'entrée. Și face parte. Et je vais finir avec un dernier principe et un dernier concept très important, puisque je vois comment vous entendez et que vous suivez. J'ai vu ça dans l'armée. Ce que Chimida appelait l'intersubjectif de très parfait. La première fois... La première fois, parce que Chimida fonctionnait comme ça. Il posait une question le matin à 8h. Chacun devait dire des réponses. Fausse. Alors on n'osait plus parler. Et à la fin, il a dit intersubjectif betreff par quatre. Nous, les Français, les Italiens, on regardait dans le dictionnaire. Un mot. Chimida arunca așa de pe un cuvânt. Qui est la base. Parce que l'intersubjectivité, c'est le bien commun. Intersubjectivitatea este binele comun. Ce qui dépasse la séduction. Ceea ce depășește seducția. Ce qui fait que chacun de nous, au même moment, ceea ce face ca fiecare din noi, în același timp, non.
Le oui vient après. Da, o vine după aceea. Quand on vit la relation juste, când on entre relația justă dans un endroit qui dépasse le commentaire intellectuel. Intrăm într-un spațiu care depășește comentariul intelectual. On peut en parler après, mais oui. Putem să vorbim după aceea și să spunem da. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qu'on a appelé dans la phénoménologie la phase noétique de la noèse, on cherche. Ce que le maître appelait la transcendance du savoir. Là, le paramètre, ici, le point culminant, là, ne plus vouloir le faire pour le montrer, comme j'ai montré. Să nu dorim să facem ceva, ci să ne lăsăm. Ça, c'est la phase noémique, la phase où le musicien sait que je pense, donc je suis. E faza noematică în care spunem gândesc, deci sunt. Et fausse. Aceasta este fals. Je suis quand je pense plus. Sunt în momentul în care nu mai gândesc. Et ça, c'est l'expérience que nous donne pour tous les interprètes, quel que soit l'instrument. Ce point de rencontre de la verticale et de l'horizontale, ce point de rencontre où je fais les choses comme si elles dépendaient que de moi, parce qu'elles dépendent que de moi. Punctul de întâlnire al faptului când facem lucrurile care depind de noi, pentru că de noi depind, tout en sachant qu'elles dépendent pas de moi. În același timp, știind că nu depind de noi. Voilà. Ici, on n'a pas mis, mais vous pouvez mettre combien de quintes de Do à Do dièse, combien de quintes de Do à Ré, combien de quintes de Mi mineur, hein, pour vivre ça. Hein. Est-ce que je suis dans les quintes, combien d'éloignements, hein, et le vivre, le vivre vraiment. Maintenant, je vais vous... Câte sunt și să încercați să trăiți aceste relații. Să le conștientizați și apoi să le trăiți. Je vais appeler maintenant les élèves de la masterclass pour vous donner le diplôme de participation. Alors, Ragos. Naomi. Mais je donne le diplôme seulement à ceux qui étaient à la conférence. Georgiana. Georgiana, pardon. Theodora. Voilà. Voilà.
Răzvan. Răzvan. On a vu dans le Mozart hier. Hein. La masterclass d'hier nous a permis de comprendre les choses qu'on a dit, mais de les théoriser un peu aujourd'hui. Masterclass de hier nous a permis de faire une lecture avec ce que nous avons eu aujourd'hui et de théoriser un peu. Quelques principes. La prochaine fois, on les principes. La viitoare vom spune mai mult. Alors, Alina. Alina. Andrei aussi. Joana? Joana Pia. Un jour, d'abord, je voudrais vous remercier d'être là. Mai întâi doresc să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aici. Et je voudrais vous dire combien ça me touche, parce que je sais le mouvement d'aller vers quelque chose de nouveau. Je sais le mouvement, quand on est professeur de piano, on voit arriver quelqu'un qui va parler aux élèves. Je connais toutes ces peurs. Cunoaște toată această mișcare de a merge către altcineva pentru a auzi ceva nou, de mersul profesorului care merge cu elevul și e altcineva care spune lucruri noi. Cunoaște toate aceste lucruri și o anumită frică. Et j'ai été profondément touchée de la vraie humilité, qui est signe de la résonance entre nous tous, aussi bien ici qu'à Bucarest, et même à Brașov. En France, jamais vous voyez ça. Les professeurs gardent leurs élèves jalousement. Au conservatoire de Paris, entre les classes de piano, les élèves changeaient les doigtés pour qu'on ne puisse pas comparer les doigtés. Între clasele anumitor profesori, elevii își schimbau digitația ca să nu ne copiem unii pe alții, să nu cumva să se știe sau scurgere de informație. Mais une des valeurs qu'induit en nous la pédagogie, la phénoménologie, la musique. Una dintre valorile pe care fenomenologia muzicii le induce, c'est le don de soi. Este darul de sine. Alors, merci beaucoup. Experiența acumulată în timp poate să modifice într-un fel percepția muzicală sau asupra concepției frazei. L'expérience dans le temps peut influencer la perception et la perte de comment on phrase de phrase musicale. En plus des lois, en plus de la connaissance phénoménologique, à l'intérieur. Plus față de cunoașterea fenomenologică sau non, l'expérience, par exemple, le fait que vous, avec 30 ans d'expérience, c'est quelque chose de plus par rapport à son expérience. Așa este. Deci o piesă care a fost învățată la o vârstă fragedă, peste un timp este preluată, dacă influențează cumva această experiență acumulată. Ah, et un morceau qu'on a appris très jeune, quand après, avec l'expérience, est-ce que ça peut changer notre perception du sujet de phrasé? Alors, on va répondre d'une manière structurée. On a vu tout à l'heure qu'il y a un phrasé, on va dire, à la Chibida, qu'il y a une manière qui est juste, une autre qui n'est pas juste. Maintenant, ce qui change quand tu vas jouer ça à 20 ans ou à 40 ans, c'est combien tu auras enlevé de toi-même. Este cât de mult ai putut să înlături din tine însuți pour laisser écouter avec toi, pentru a lăsa să asculți odată cu tine sans vouloir maîtriser, fără să vrei să deții controlul. Parce que c'est ça le point. Pentru că aceasta este. Quand j'étais jeune, esența. Când a fost tânără, j'allais jouer au Carnegie Hall partout, je ne veux pas. Dans la Carnegie Hall, pas intéressant. Nu e interesant. C'est pas le but du musicien. Nu este scopul. Mais j'allais l'après-midi essayer le piano. Mergea după
frumoase, să încerce pianul. Voir le théâtre. Să vadă teatru. Capabil de vous dire s'il faisait beau, s'il pleuvait. Nu putea să spună dacă e frumos afară sau cum e, ce-a văzut. Ça sert à rien. Dar nu servește la nimic. Parce que le piano va sonner différent avec la salle pleine. La salle piano va sona altfel cu sala plină. Moi-même, je vais être différent dans 3 heures. Și ea va fi alta în 3 ore. La qualité d'émotion. Calitatea emoției. Dépend du silence. Préparatoire. De liniștea pregătită. Et pas de la. La. Hein? Mais ça, c'est normal, parce que. C'est tellement difficile de jouer du piano. Dar e normal, pentru că este foarte greu să cântăm la pian. Les gens qui sont assis là, ils voient entrer le pianiste ici. Ils ne savent pas tout ce qu'il sait. Cei care stau în sală, les milliers d'heures. Nu își poate imagina. Les milliers d'heures de solitude. Orele de solitudine în care. La panique d'être jugé. Panica de a fi judecat. Parce qu'on a tous eu un père ou une mère ou une instance supérieure. Pentru că am avut cu toții un tată sau o mamă sau o altă. Qui nous a blessés, qui nous a blessés à un moment donné. Moi j'ai des élèves. Il y a des élèves. Et je pense à une pianiste en particulier, merveilleuse, merveilleuse artiste. Là, au pianiste extraordinaire. Chaque fois qu'elle arrive à la fin d'un morceau, de fiecare dată când ajunge la sfârșitul unei lucrări, elle commence à avoir le trou de mémoire des fausses notes, mais sur les 4 dernières mesures. Hein, începe să aibă. O ia panica, începe să facă ceva note greșite. Comme pour donner raison à ce qui, à un moment donné, a été une malédiction sur elle. Tu ne seras pas une pianiste, par exemple. Ca și pentru a împlini acest adevăr care i s-a spus la un moment dat că nu vei fi niciodată pianistă. Et c'est une manière de protéger inconsciemment l'image. Și este un fel de a proteja de cette autorité, imaginea acestei autorități. Qui était tout pour nous. Care a fost totul pentru noi. Mais je vous raconte aussi l'exemple d'une pianiste qui est avec nous, très bonne pianiste, libanaise. Foarte bună, libaneză. Je l'ai fait jouer avec un autre pianiste de résonance, le double concerto de Mozart. A făcut-o să cânte cu un alt pianist, concertul dublu de Mozart. Et dans le double Mozart, à un moment, il y a. Pour une raison que je ne pouvais pas comprendre. Dintr-un motiv pe care nu putea să-l înțeleagă. Parce que n'oubliez jamais que le geste d'un pianiste, tous les mouvements compensatoires. Nu uitați că toate mișcările, gesturile unui pianist și mișcările compensatorii, toutes les raideurs, toate crispările, sont le signe d'une douleur de l'âme. Sunt semnul unei dureri în suflet. Et que cette pianiste, și că această pianistă, du point de vue des doigts techniques, c'était rien ce tri et cette descente. D'un punct de vedere tehnic, nu îi punea probleme. Je me disais,